Punch est une semaine où les étudiants, tous les étudiants, vont découvrir une question, une problématique d'entreprise, vont devoir y répondre sous forme d'idées et vont la présenter en fin de semaine. Ils ont 5 jours pour ça. Je suis ici au Crunch Time pour apporter un challenge aux étudiants qui consiste à trouver la maison autonome idéale pour le client. Le sujet que je porte aujourd'hui, c'est sur l'utilisation des données du smart meter, données de consommation et de production que tous nos consommateurs vont avoir à disposition chez eux, qui nous aident en fait à trouver des idées innovantes sur l'utilisation de ces données que vont nous apporter les smart meters. Le défi n'est pas seulement le timing, mais c'est aussi on a posé des contraintes comme le budget, comme l'espace disponible dans le local technique. Bon alors ça y est, vous êtes prêts, vous avez votre présentation, le pitch qui est prêt à partir. Vous arrivez à me montrer ce que vous avez prévu? Bon, là on a fait une maquette qui se présente sous cette... On avait beaucoup d'idées, on a présenté beaucoup de choses et c'était pas ce qu'ils attendaient. Du coup on a refait des idées, on a repris un peu de temps sur la journée d'après pour corriger le tir et je pense que c'est corrigé. Des fois on perd peut-être une heure sur un truc qui nous a pas avancé. Faut pas se dire que ça a été inutile, c'est dans notre démarche. Même si à la fin ça ressort pas sur le résultat, ça nous a aidé à comprendre ou comme ça. Ce que je peux retenir de cette semaine, c'est vraiment le fait de travailler avec des gens qui ont beaucoup de compétences différentes et pas du tout dans le domaine demandé. De voir qu'on arrive à rendre un projet qui n'a rien à voir avec notre futur métier ou notre métier qu'on fait déjà et que ce soit, ben, j'espère, viable et utilisable pour une présentation déjà. Ouais, le projet, même si on n'a pas été retenu, a été pour moi vraiment bien, quoi. Ça a permis de mettre nos compétences en commun et c'était quelque chose que je connaissais pas et c'était quelque chose de super enrichissant. Bon, bravo les gars, même si c'est pas un podium, pour nous en tout cas c'était super comme expérience, donc je vous remercie pour votre contribution, votre implication. Ce que j'ai apprécié dans cette expérience avec vous, de vivre à nouveau cette fraîcheur d'étudiant, cet enthousiasme de l'étudiant tout frais qui est prêt à relever tous les challenges du monde. Merci beaucoup et bravo.